Venez les gars, je viens de récupérer mon iPhone. C'est avec ça que je suis en train de faire le live là. Je sors du commissariat 15 jours après avoir perdu, pas perdu, après m'être fait voler mon iPhone. Les policiers ont trouvé ça dans un camion qui était en partance pour le Maroc. Les gens qui disaient que, parce que quelqu'un écrit là que, oh, c'est pas surprenant, hein? On retrouve toujours l'iPhone. Mais vous, vous vivez dans quel monde? Quel toujours? Quel toujours? Vous me faites rire. On n'a pas retrouvé mon téléphone. On a retrouvé un réseau dans lequel mon téléphone était. C'est tout? C'est quand ils disent que oui, parce que de toute façon, on ne peut pas utiliser. Mais ne pas pouvoir utiliser ne veut pas dire venir restituer le téléphone. Franchement, les gens raisonnent souvent avec une logique à 2 francs 6 sous que je ne comprends pas. Vous avez des logiques à 2 balles. C'est pas parce que tu bloques le téléphone qu'on va venir te le rendre. La preuve, mon téléphone était en partance pour le Maroc. Avec tout, hein, la coque. Allez, vous montre. Avec la coque et sa puce. Regardez. Voilà ma puce qu'ils ont enlevé mettre ici. Voilà ma coque. Tout. Ils n'ont même pas fait. Ça dit. Ils n'ont même pas fait les plans. Même jeter la coque ou la vendre à part. Ou bien jeter la puce. Non, non, non. Ils ont gardé le téléphone 15 jours. Mais vous, vous savez tout, non? Vous connaissez tous Facebook. Voilà. Non, si vous restez là, vous écoutez les gens, ils vont toujours vous envoyer, vous berner. D'accord? Ils vont toujours vous berner. Chacun s'avance sur Facebook. Bref, bien contente d'avoir retrouvé mon téléphone. Voilà, avec celui qui arrive samedi, ça m'en fera deux iPhones. Celui-ci, c'est le 13 Pro. Celui qui arrive, c'est le 14 Pro Max. Ça va donner les maux de tête aux gens sur la toile. Vous ne voyez pas les démons qui s'agitent partout là. Ok, pourquoi le temps ne fait qu'augmenter? Le temps d'attente du métro, il ne fait qu'augmenter. Moi, je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Coucou la tigresse. On dit quoi? Oh, il caille les gars, il caille sa race. Attendez, je me mets mes gants. Oui, mes gants coûteux. En cuir. Ouais, maintenant vous choquez en vrai. Ce n'est pas vos camarades. Me placer un coup. Voilà. Quelqu'un vous a dit sur la toile ici que je suis sans papier. La même vous a dit que comme je suis sans papier, je ne peux pas porter plainte. Voilà dans mon téléphone qu'on vient de me restituer. Je sors du commissariat. Une sans papier. Voilà. Donc, dites-lui qu'elle ne s'inquiète pas. La sans-papier va lui prouver qu'on est dans un pays de droit. De loi et de droit. Donc, elle ne s'inquiète pas. Maintenant, on va juste... On a un peu de temps.
attendre que le métro arrive. Oui, il faut que l'homme montre les affaires coûteuses. Mais c'est pas la chose qu'elle ramasse dans les marchés, là. Les marchés du dimanche, là. Non, non, non. Les brocantes. Non. Voilà. Ah, c'est la partie là que j'attendais. Apparemment, Warien a publié des nudes sur WhatsApp. Oui, on m'a envoyé. Quand elle est en live, allez mettre le lien de notre musique là-bas, le lien de notre nouveau clip. C'est con, ça est. Oui, apparemment, mon zout est dehors. Moi-même, j'ai découvert mon zout sur WhatsApp. On m'a envoyé ça. Mais la femme qu'on a filmée là, elle a un joli couette, ouais. C'est joli. Si c'était moi-même, j'allais Yamo, franchement, j'allais me vanter parce que c'est une belle femme. Moi, en fait, je ne comprends pas votre délire, vous, les Africains, avec la nudité des gens. Il dit, hein, quelqu'un nu, c'est étrange. Vous êtes né, vous étiez nu. Quand vous allez mourir, on va vous laver, vous serez sans caleçon. Et certainement dans un état encore plus piteux. Donc, je ne comprends pas, en fait, en quoi le fait de publier une femme nue fait d'elle la méchante, ou bien c'est elle qui doit être mal vue, ou bien ça doit lui faire honte. Moi, il ne peut pas avoir honte. Moi, il ne peut pas avoir honte de mon corps. C'est mon corps, surtout que j'aime mon corps. Voilà, si j'étais moche encore, je comprendrais, mais non. Je suis une belle femme. Donc, même si elle publiait même vraiment mes nudes à moi, qu'elle n'a pas, je vois pas pourquoi j'aurais honte. Non, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de son fuck-up. C'est prévu. Laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît. Allez seulement mettre le lien de nos clips, de notre clip là-bas. Laissez-la parler, laissez-la vomir. Et faites les captures d'écran. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous avais dit que je serais son terminus sur Facebook. Vous ne m'avez pas cru. C'est derrière moi que non seulement vous êtes en train de voir son vrai visage. C'est derrière moi que vous êtes en train de voir ça. Parce que je vous ai dit que je suis la vérité faite chair. Quand j'arrive quelque part, ce qui était caché est découvert. Voilà mon téléphone, non? C'était devant vous ici, on m'a volé il y a 15 jours. Même pas. Je sortais de tourner mon clip. Et je viens de récupérer donc mon téléphone qu'on m'a volé. Et il y avait tout un réseau. Plus de 50 portables, ordinateurs portables. Les ouais, dans le camion où on a trouvé mon téléphone. Mon téléphone a été retrouvé avec sa coque, avec ma puce. Oh. Et tout est encore dans mon téléphone. Toutes mes captures d'écran sont dans mon téléphone. Parce que c'est ça que je pleurais le plus. Toutes mes captures d'écran sont dans ce téléphone. D'accord? Je vais m'occuper de votre fuck-up. Je suis dans le métro, hein? Je parle comme ça, ils m'en bat les couilles. Hein? Ils sont en train de me regarder, j'en ai rien à foutre. J'ai récupéré mon phone, les captures d'écran de la gloire glorieuse. Vous allez lire en verlan. Vous avez dit que vous êtes milliardaire, non? Vous allez donner ma part sur l'argent là. Ça ne chauffe même pas. Mais Scarabée, ne vous inquiétez pas. Tout fonctionne comme prévu, à merveille. Je vous ai dit que moi, je joue aux échecs. Et la règle aux échecs, c'est d'avoir 3 coups d'avance. Si vous avez compris, vous avez compris. Quelqu'un me demande qu'elle a fait comment pour avoir tes nudes. Donc, toi, d'abord, tu confirmes que ce sont mes nudes. Tu m'as vu sans caleçon. Il faut être bête pour croire que c'est moi. C'est parce que vous n'avez pas vu les photos là. Moi, on m'a envoyé ça. Il faut être bête pour croire que c'est moi. Aucune des photos qu'elle dépose là, aucune des femmes là ne me ressemble. Même me ressembler. Aucune ne me ressemble. Donc voilà. Et même si c'était moi, vous pensez que j'allais avoir honte? Pourquoi? Et j'ai tué quelqu'un?
J'ai lu quelqu'un me demander qu'une personne normale se filme d'abord nu. Pourquoi? Qui a dit que c'était anormal? Dans ton propre corps, tu n'as pas le droit de le filmer. Vous êtes stupide ou quoi? Dans ce cas, pourquoi vous vous regardez nu dans vos glaces? Si tu peux te regarder nu dans une glace, ça veut dire que tu peux filmer ton corps. Et tu as bien dit son corps, mon corps. Tu m'appelles quoi normal? Vraiment, moi, je t'aime pas, mais je suis pas d'accord. Tu es une femme, c'est très méchant. Tu ne m'aimes pas et tu viens me dire que qu'est-ce que j'en ai à foutre, je te connais. Ou bien je suis censée applaudir, te dire ouais, merci, full camp. Toi, je ne t'aime pas. Tu ne m'aimes pas, ça m'enlève quoi. Il y a besoin de toi. Allez la supporter, non? Bande de groupies, d'idiotes que vous soyez. C'est vous qui encouragez ça. Tu ne m'aimes pas, hein? Il faut aller l'aimer, elle. C'est l'amour que vous lui avez donné là, c'est ça, elle est en train de vous rendre là comme ça. Bande de zouaves. Rends-moi l'autre. Oh, je ne t'aime pas, mais de t'applaudir ou bien de m'estimer chanceuse. C'est ça? Moi, quand je vais passer à l'action, je ne veux pas voir vos pleurs sur la toile. Hein. C'est tout, hein? Vous qui l'encouragez là. Y a une qui a diffamé ma fille, l'autre m'a diffamé moi. J'espère que le retour, vous allez gérer. Bah, vous faites les King Kong sur la toile, les gens vous applaudissent, vous y a un mot. Le désordre est collectif. Ascension est individuelle. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ne te fais pas connaître négativement. Toi, t'es ouf, toi. Et on se fait connaître négativement comment, s'il te plaît? Toi, tu es malade, toi. Une gare publie les photos d'une femme nue. Elle dit que c'est moi. Et tu viens me dire de ne pas me faire connaître négativement. Qu'est-ce que tu racontes? Vous, vous avez besoin que quelqu'un fasse quelque chose pour que vous salissiez son image? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous savez y faire. Pour détruire, là, vous êtes fort. Pour détruire, là, vous êtes fort. On n'a pas besoin de mode d'emploi. Chaise là. Venez que je vous bloque un à un. Moi, j'ai pas besoin de détritus sur ma page. Que ce soit clair. Tu es tellement mal éduqué. Tu n'es pas obligé d'être si mauvaise. Ferme ta gueule. C'est toi qui es mal éduqué. Tu ne me connais pas. Tu rentres dans mon live. Tu me tutoies. Tu me dis pas bonjour. Ferme ta gueule. Quand on n'aime pas où on est, on change de place. C'est ça le savoir-vivre. Tu viens pas m'étouffer chez moi. Tu as compris? Moi, une salope. Vous êtes malade. Vous avez peur de vous. On vous a dit que j'ai peur de vous. Vous me connaissez très mal sous la toile. Si je vais vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Vos bêtises que vous aviez l'habitude de faire ici aux gens, c'est pas avec moi. D'accord? Je vais te la fermer. Et te bloquer. Et puis je vais voir où tu vas aller raconter ta maman là. Moi, les saletés comme ça. Attends, je te bloque, Poufias. Je vais nous regarder à la fenêtre. Rends-moi ça. Voilà, maintenant tu vas regarder les lives, le live à la fenêtre. Avec ta gueule fermée. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Je n'arrête rien du tout. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'arrêter, c'est à moi que vous venez d'arrêter. Vous avez craqué ou quoi? On vous a dit que je suis la victime de quelqu'un? On vous a dit que je suis là pour subir? Quand vous me regardez, c'est écrit sur mon front victime. Je ressemble à une qui peut subir dans le silence. Je ressemble à ça. Les gens me provoquent, vous êtes en bas en commentaire avec eux, vous ne pouvez pas leur dire de se calmer. Vous allez sur les pages là-bas où on raconte des bêtises sur moi, vous applaudissez. Et c'est ici que vous venez dire que... Et moi, fallait là-bas avec ça. Allez raisonner vos enfants. Moi, j'ai 37 ans. C'est trop tard. Vous avez compris? Et vous toutes là, je vais noter vos noms. Je suis en France, je ne suis pas dans un pays tiers mondeux comme vous. Je vais noter vos noms. Vous allez être dans le lot. On va retrouver vos adresses. On appelle ça comment? IP.
Et vous allez aller expliquer là-bas comme vous êtes King Kong derrière vos écrans. Mais je suis dépassée. Une femme allume sa caméra le matin, à midi, le soir pour m'insulter, insulter ma mère, diffamer ma fille. Et vous venez me dire quoi, hey, tu es mal éduqué. Vous pouvez éduquer qui? Hein? Vous pouvez éduquer qui, vous? Quand ce sont vos enfants qui partent puiser l'eau pour vous, les saletés viennent me parler. Vous pouvez éduquer qui? Hein? Quand vos mains d'œuvre, ce sont vos enfants chez vous, vous pouvez éduquer qui? Il va traiter son fuck up sur la toile-ci. Il vous a dit qu'elle meurt bientôt. Vous ne m'avez pas cru. Ce sont son dernier souffle qu'elle est en train d'utiliser sur moi comme ça. Je vous ai dit que j'étais son terminus sur la toile. Vous ne m'avez pas cru. Il va vous montrer ça. Vous avez compris? Elle insulte les Bamileke tous les jours, non? Moi, je suis descendant de Makiza. Je vais lui montrer ça. Propre.